C'est avec son implication que tout s'est réalisé. C'est ce qui justifie la présence d'Hippolyte Lobo, conseiller du gouverneur en matière de l'éducation et assistant personnel. C'est sous ses acclamations, cris de joie, chansons de l'air doctrine, que fait l'atterrissage de cet avion portant le chef spirituel Johann, fils de John Marang, son défunt père. Le combat n'était pas facile, mais Dieudonné Pimé toute côte vient de l'emporter. Malgré les efforts fournis par les personnes, les mauvais coups restent toujours en vain. Tout s'est passé dans les calmes, sans problème, conformément à la demande des responsables de la communauté papostole adressée au gouverneur des provinces du Kasaï, Maître Dieudonné Pimé toute côte, qui a amené un sourire aux lèvres de fils de filles de Mouka, cette même communauté qui se sentait déjà oubliée. Maître Dieudonné Pimé toute côte vient souvent au chevet de tous ceux qui souffrent dans le territoire de Mouka. Il a réalisé totalement sa promesse, comme bien dit, il devait le faire arriver ici, dans la terre de ses ancêtres. Exprimons leur gratitude au gouverneur des provinces, Maître Dieudonné Pimé toute côte. Le prophète Lieboum Onésime a affirmé leur soutien indéfectible à la candidature de Maître Dieudonné Pimé toute côte et Antoine Bouchabou Bopé. Aucun des candidats, aucun des élus de Mouka nous a soutenus. À chaque fois que nous tendons la main, ils nous ont toujours déçus. Voilà l'homme qui a effacé nos larmes au moment difficile. Nous vous affirmons notre soutien. Vous êtes déjà élu. Maître Dieudonné Pimé toute côte a affirmé Onésime, le prophète Ibrahim de Mouka, au micro de SMTV.